Bonjour les amis et bienvenue. Alors j'ai juste envie de vous dire qu'aujourd'hui tout est neuf parce que nous sommes lundi. C'est un nouveau jour, c'est une nouvelle semaine, c'est également un nouveau mois parce que nous sommes le 1er juin aujourd'hui. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois pour entamer un mois en espérant que sérieusement, franchement, on prie fort pour que ce mois qui commence aujourd'hui, c'est un meilleur mois que le mois qui vient de se terminer et que ça aille en s'améliorant et que tout se passe bien, que les prévisions se passent normalement et que la vie soit meilleure. Merci de nous choisir, merci de regarder le Love. Donc, je le disais, aujourd'hui, nous sommes le 1er juin, en général, le jour d'avant, qui est le dernier dimanche. Quand c'est un dimanche du mois de mai, nous sommes la fête des mères. Mais hier, ce n'était pas la fête des mères, rassurez-vous. C'était plutôt la Pentecôte. Donc, l'Esprit Saint est venu. J'espère qu'il a touché du doigt certains cœurs et qu'on va travailler à changer. Et la fête des mères, c'est pour dimanche prochain. Donc, pour tous ceux qui se sont fait, oh, j'ai pas trouvé de cadeau pour maman, rassurez-vous, vous avez encore une semaine pour le faire. C'est dimanche. Et cette fois, vous n'avez plus d'excuses, vous avez intérêt à trouver le bon cadeau pour la fête des mères pour ce dimanche. En attendant, on vous souhaite la bienvenue, on vous dit merci. Vous le savez, le 21 juin, le monde entier célèbre la musique. Et nous, on a décidé pour ce mois de juin-là d'explorer un peu l'univers de la musique, de parler musique. Bon, je ne vais pas m'aventurer forcément dans la musique parce que si je chante, je ne suis pas sûre que ça va donner quelque chose qu'on peut écouter. Bon, mon prof est sur le plateau aujourd'hui, il donnera son point de vue. Mais on va parler, on va explorer cet univers-là. On va essayer de mieux comprendre et pourquoi pas d'inspirer des artistes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Alex, qui rigole fort apparemment, qui a passé un agréable week-end. Un week-end très calme, à la maison, tranquillement. Stéphanie, ce n'est pas la peine de me lorgner. Déjà, on va parler de ta carrière musicale, qui est, je pense, en concession. Non, non, non. Je te déconseille vivement, en tant qu'ami. Tu me déconseilles tout. Je te déconseille. Tu me déconseilles tout. Finalement, tu me conseilles quoi? Tu présentes super bien à la télé. Ta voix est magnifique, mais juste pour la télé. Mais je pense, bon, je prendrai l'avis du professionnel, du ténor de la musique. Te concernant, sinon, je peux juste offrir un enregistrement cadeau pour tester. D'accord, merci beaucoup. C'est bien. Tu me déconseilles la coupe courte, tu me déconseilles la musique, tu me déconseilles quoi? En fait, tu me déconseilles. À chaque fois que je veux tenter une nouvelle émission, fois que je veux tenter une nouvelle expérience, tu me casses. Non, à chaque émission, je vais te dire ce que je te conseille et ce que je te déconseille. Donc aujourd'hui, la musique, bon, on peut faire un test. Hein, on peut faire un test en direct. Non, non, non. En direct? Non, pas en direct. On travaille derrière et puis voilà. Alors, on le disait, mon prof est sur ce plateau aujourd'hui. Oui, bon. Je ne sais pas si, mais voilà, c'est un grand nom de la musique de chez nous. 20 ans de carrière, 6 albums, le bébé a quoi? 2 petits mois, franchement, oui. Le 14 mars dernier, donc un nouvel album sur le marché, les fans sont contents. Bon, il y a eu un petit vent qui est venu casser l'élan, mais ça va redémarrer tranquillement. On a l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau du Loft aujourd'hui pour vous, Bila Kakoura. Merci beaucoup de nous rejoindre. C'est moi qui vous remercie. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Oui. Alors, avant de parler de l'album et tout ça, moi j'ai envie de dire, parce que j'étais offensée par Alex, oui, d'avoir l'avis de mon prof. Est-ce que j'ai mes chances dans la musique? Bien sûr, moi j'aime à dire que tout le monde peut chanter. Ah. Il suffit de trouver sa voix. D'accord. Et puis en plus, Stéphanie a pris des cours de vocalise. Elle était pas mal du tout. Voilà. C'est une très bonne élève. C'est mon prof. Voilà. Ok, d'accord. Tu as fait ça dans mon dos, en fait. Ouais, parce que sinon, si je le dis, tu vas... Voilà, voilà. Mais bon, je ne suis pas sûre que je suis prête pour chanter. Mais merci beaucoup pour l'idée. Voilà. Ça m'aide beaucoup dans mon travail de tous les jours. Mais c'est une bonne élève. Et en plus, de vouloir donner et de recevoir. Et surtout, vouloir prouver à Alex que je peux le faire. Bien sûr. Oui. J'attends que ça. Après, je ne vais pas faire tout type de musique non plus. Il faut que je trouve ma voix et que je reste dedans. Absolument. Ou je peux sortir de temps en temps. De temps en temps, tu peux faire des collaborations, mais j'ai trouvé ta voix. Okay. Mais ça fait quoi, genre, si tu fais du coupé décalé? Je ne sais pas. Moi, je la vois plutôt dans la soul. Ah,
C'est... Non, mais en fait, j'ai envie qu'elle sorte de sa zone de confort. De confort pour aller. Et mais j'ai aucune passe... zone de confort dans la musique, tu me parles d'en sortir. Il faut d'abord que j'y aille. J'y suis même pas d'abord. Mais de manière générale, t'es vraiment musique très calme, soul, R&B, soul, tout ça. Bah voilà, c'est pour ça qu'il me voit là-bas. Mais moi, je veux que tu quittes ça. Parce que toi, tu dois chanter. Tu, genre, tu, je te vois avec les cheveux jaunes, le pantalon argenté. Tout ça. Heureusement que ce n'est pas le sujet. Moi, je suis en train de voir comment faire pour entrer, si je vais y entrer ou pas. Mais Bill, ça fait 20 ans quand même dans oui, la musique. Oui. Donc, ouais. Un petit regard dans le rétroviseur. Des bons moments, des moments aussi difficiles, comme dans chaque œuvre humaine, mais je suis très content. Mm-hmm. Oui. Donc, au bout de 20 ans, on peut dire quand même qu'il y a eu pas mal de succès engrangés. Oui, il y a eu. Surtout, c'est humainement. J'ai un groupe depuis, avec lequel la plupart des membres de mon groupe, ça fait 20 ans. Ah. C'est devenu une famille. Et les rencontres aussi que j'ai pu faire par le biais de la musique, des concerts, des tournées, de belles rencontres. Et puis, aujourd'hui, pouvoir définir un style de musique, Django, que partout, tout le monde me reconnaît à travers Exactement. Cette musique-là. Et c'est pas mal. Pour s'exporter. Oui, les Naouri. Mais c'est vrai que quand on dit Bill Akakura, on voit le style musical ainsi que la danse Django. Oui. Et quand on dit Django, il y a un certain nombre d'années, pas beaucoup en arrière, on a commencé à parler vin. Oui. C'est quoi l'histoire de Bill et le vin? Oh. Non, mais c'est un ami qui m'a proposé, parce qu'on travaillait ensemble au niveau du paradis de meilleur vin depuis quelques temps. Et c'est lui qui a eu l'idée de faire le vin Django. Et ce vin, donc, on a un partenariat. Mm-hmm. C'est un vin qui a été quand même étudié. Ce n'est pas que juste l'étiquette. D'accord. Voilà. Il a envoyé des spécialistes qui ont regardé les mets qu'on a ici. Mm-hmm. Et ensuite, ils sont allés proposer un vin. D'accord. Qui abordable, qui s'adapte, à tout ce qu'on mange ici au palais des Burkinabés. Mm-hmm. Voilà. Mais en fait, j'ai envie de savoir, ma question, c'était plus lié au rapport entre Bill et le vin de façon générale. Parce que pourquoi c'est du vin? Pourquoi, je ne sais pas, ce n'est pas un jus de fruits? Pourquoi c'est pas... voilà, pourquoi c'est du vin? Non, on a voulu laisser un peu au milieu. Voilà. Au milieu de quoi? parce que c'est le vin, c'est un peu du jus aussi. Voilà. C'est du jus de raisin. Oh. On a voulu laisser au milieu entre le chapalo, la braquina et puis le whisky, quoi. Tu vois, on a voulu trouver le... Mais les non-buveurs, comment ils se retrouvent? Sinon, moi-même, je ne suis pas vin. Moi, je suis un bon buveur de braquina. D'accord. Voilà. Patriote. Voilà. D'accord, ok. Oui, oui. Et ça compte dans l'inspiration ou pas? Oh, ben fait. Parce que il y a un ami, c'est un père spirituel qui me disait que quand on a beaucoup bu, même quand on tape sur une boîte, on est content. Oui. Donc, je dirais que mais l'alcool... Mais là, il faut vraiment avoir beaucoup bu. Hein. Je dirais que l'alcool, non, ça n'inspire pas. D'accord. Donc, en ce moment, on confond tout. On a l'impression qu'on fait de la musique, alors que ça peut être que de la cacophonie. Ouais. D'accord. Donc, on fait gaffe quand même à ce qu'on... Il faut faire gaffe. D'accord. OK. Donc, quand même, moi, j'ai envie de savoir, parce que le dernier album, il a pris du temps pour venir. On l'a attendu quand même. Oui. Pourquoi il a fallu attendre tout ce temps? Non, mais généralement, entre mes albums, il y a 4-5 ans. Mm. Voilà. Mais maintenant, comme on est dans une société de consommation rapide, voilà. Mais quand je sors un album, ce n'est pas juste sortir un album pour être là. Il faut avoir des choses à dire. Mm-hmm. Et puis, en dehors des albums, d'un album, il y a d'autres projets sur lesquels je travaille. Je fais beaucoup de musique de film. Oui. Voilà, de musique de sport, je fais de musique pour accompagner des pièces de théâtre. Mm-hmm. Donc, il y a tout ça comme activité. Voilà. Qu'on ne voit pas forcément. Qu'on ne voit pas, oui. Je vais faire une virgule avant de revenir au temps qu'on a pris, parce qu'on a parlé de musique de film. Oui, oui. Et je me rappelle qu'il y a eu une carrière d'acteur. Oui. Et est-ce qu'on reverra Bill dans des films? Moi, j'aime taquiner les comédiens qui viennent à la chanson. Je dis, chacun n'a qu'à faire son travail. Aha. Donc, moi, c'était des projets avec des amis qui m'ont proposé des scénarios. Ça m'a plu et puis je l'ai fait, mais je ne suis pas acteur. C'est pas... Ouais, mais quand même, je ne sais pas, tu as vu le film Sophia? Oui. C'était quand même un rôle important dans Sophia. Oui, tout à fait. Ouais, mais
Bon, c'est mon premier rôle, c'était bien, mais c'était hyper fatigant parce que le domaine du cinéma, c'est pas... J'imagine. Un mois et demi de tournage et tout ça. Et quand on compare gombotiquement, on est quand même mieux en faisant deux, trois concerts que... ça ressemble à une petite pique en voyage. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Maintenant, peut-être ça s'est amélioré. Oui. Mais voilà, donc du coup, c'était pour se faire plaisir avec Aboubacar Diallo. Et puis voilà. D'accord. Mais en même cas, temps, il faut faire beaucoup d'expériences pour connaître d'autres terrains, tout ça. Oui. Et puis après, si je veux en faire un métier, il faut que j'aille prendre des cours. C'est ça. Voilà, et ensuite, ouais. Mais c'est pas mon métier. Si on me propose quelque chose dont je me sens, un scénario que je me sens dedans, je vais le faire. Mais sinon, je ne suis pas à la recherche. Pas spécifiquement. Non. Si ça vient et que ça convient, voilà, d'accord. Sinon, voilà. Donc ça, c'était une parenthèse pour parler cinéma. Je reviens à la musique. D'accord. Tantôt, il y a un mot qui est sorti. On est dans une société de consommation. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'un artiste, au bout d'un an, qui ne propose pas quelque chose de neuf, on se dit, ah oui, mais qu'est-ce qui devient? On dirait que sa carrière est finie. Mm-hmm. Donc, quand on est dans cet univers maintenant, parce que ça sort tous les jours, on a l'impression qu'il faut que ça sorte tout le temps. Oui. Comment on a encore la force de prendre son temps pour faire un album? Est-ce que souvent on n'est pas tenté de dire aux gens « Hey, je suis là, ne m'oubliez pas ». Non, parce qu'enfin, quand on vient dans la musique et puis on ne veut pas disparaître, ça amène des fois à faire n'importe quoi. Et pour moi, l'existence d'un artiste ne dépend pas de la fréquence de tes sorties. D'accord. Voilà. Pour moi, ça dépend de la qualité du travail. Il y a des artistes qui ont fait 5 ans de carrière qui ont marqué l'histoire. Il y en a qui ont sorti juste une œuvre et ils ont marqué l'histoire. Donc, il n'y a pas forcément... Quand on se sent inspiré, quand on se sent concerné, quand on a encore des choses à dire, ou proposer, prendre le temps de faire des choses qu'on aime. Et puis, enfin, il y a des générations qui aiment montrer même se filmer le matin au réveil. Suivez mon regard. Voilà. Moi, je ne suis pas de cette génération-là, donc il faut s'adapter. C'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, quand même, il faut donner un peu la matière aux gens. Voilà. On veut, nous, oui, on veut savoir. Bah, en plus, il faut aller chercher aussi les artistes. Oui. Les gens, les fans attendent qu'on aille les chercher. Ouais, parce que tout le monde, voilà, on a l'impression qu'il y en a qui aiment bien être en retrait, alors que nous, on veut que nos artistes soient là, qu'on sache. Bah, surtout si ça va, si ça ne va pas, tout ce qui se passe. À la limite, ce qu'ils mangent, on veut le savoir. S'ils dorment, on veut le savoir. on veut tout savoir. On a l'impression que Billy Akakora n'est pas vraiment de la... c'est pas genre la célébrité qui vit sur les réseaux sociaux. Non, mais j'ai une page qui est animée par un webmaster. Bien sûr. Voilà, mais c'est lui qui publie les choses, mais... C'est très professionnel. Voilà, très professionnel. Le cadre du boulot, parce qu'en dehors de ça, bon, quand on commence à montrer, on va tout montrer après. Mais ça ne nous dérange pas de tout. Ah non, non. Est-ce que ça nous dérange de tout? Absolument pas. On veut tout savoir de Billy. Non, on va y travailler. Je crois que j'ai besoin d'un coach. D'accord. Pour les réseaux sociaux. Non? Instagram. On a trouvé. Alex, il peut faire ça. Non, je gère l'Instagram de Billy. D'accord. On décide et puis on planifie, on organise tout. Et puis voilà. Également, quelque chose quand même qui caractérise bien Billy Akakora, c'est cette volonté, cette envie de transmettre. La transmission, parce que je sais déjà que pour toi, la formation est très importante. Oui. C'est, on ne badine pas dessus. Oui. Et transmettre aussi, ça fait partie de ce qu'il aime faire, mais quand même avec une certaine rigueur. Bien sûr. Non, mais avec beaucoup de passion. Oui, mais en fait, c'est quand on dit, ouais, en Afrique, il n'y a pas d'école de musique, c'est pas vrai. L'école de musique, c'est une école qui n'est pas comme ce qui se passe en Europe. Mm-hmm. Mais quand moi j'ai commencé la musique, il y avait un Ghanaien qui jouait dans un orchestre militaire. Et comme il m'a vu fréquenter cet orchestre tout le temps, un jour, il m'a dit, viens, je vais t'apprendre à jouer à la guitare. Et c'est fini. D'accord. J'ai commencé à le suivre pendant des années. Quand je finis l'école, je vais chez lui, je joue un peu. Et après, je vois d'autres musiciens, je m'approche d'eux, des aînés, pour voir si je peux apprendre, ils me donnent quelques petits trucs. Et c'est comme ça. Mmh. Et là, maintenant, c'est plus tard qu'il y a eu la formation sur le chant, la voix, le placement de la voix, la respiration et tout ça.
Et puis je me suis rendu compte que ça aide, ça m'aide pour vivre, ça m'aide pour être plus à l'aise sur la scène. Tous les jours et tout ça, déjà, voilà. C'est important. Donc après cette formation, moi, à mon tour, j'ai commencé à former. Oui. J'ai commencé par les comédiens de théâtre au début. Et ensuite, il y a des artistes, chanteurs qui sont venus. Et à chaque fois, c'est vrai que quand on va pour prendre un cours de chant, on se dit tout de suite, on va chanter la chanson qu'on aime, les Makere, Biri et tout ça. Alors que non, on va arriver puis travailler, tu l'as fait. Oui. Le travail respiratoire, la respiration et tout ça, des fois c'est difficile. C'est difficile. Okay. Et donc si on n'y met pas la rigueur, si on ne met pas la volonté, ça peut pas donner. Oui, mais il y a beaucoup qui viennent vers toi pour apprendre ou pas? Oui, il y a beaucoup qui viennent, mais il y a beaucoup qui repartent aussi. qui n'arrivent pas à tenir. Oui, qui n'arrivent pas à tenir. Et puis il y a Faso Academy avec... Oui, 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 oui. Et à chaque fois, quand on donne, quand on enseigne, on apprend. Parce que moi, j'ai eu à coacher des gens qui chantaient dans des langues que je ne parlais pas. Mm-hmm. Mais au niveau de la diction, comment ils sont, les sonorités et tout ça, donc ça m'a réussi aussi. Donc ça veut dire transmettre aussi, c'est quelque part se nourrir. D'accord. Voilà. Est-ce que Bill se définirait comme un prof de musique ou de chant? Enfin, non, je ne suis pas un prof de chant. Parce que je n'ai pas les... C'est pas un prof de chant, c'est trop institutionnel. C'est quelqu'un qui a ses diplômes, qui a fait le conservatoire pendant 7 ans. Après, il a commencé à enseigner. Mais non, moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là. D'accord. Je suis plutôt quelqu'un qui partage son expérience et qui écoute et qui peut donner quelques petites choses pour améliorer la voix ou la musique en général. Oui. C'est le grand frère, grand frère qui veut partager. Oui. Quand tu t'approches de lui, il est toujours là pour toi. Oui. Il est toujours là pour te prodiguer des conseils, tout ça. Et c'est tout à son honneur, en fait. Absolument. Et enfin, je fais partie de ceux qui en ont bénéficié. Donc, ok, d'accord, je récupère mon bon. Juste à la fin de l'émission. Non, mais en fait, le truc avec Bill, c'est que tu pars pour apprendre une chose, mais tu en apprends 10 parce qu'il donne sans compter. Oui. Et c'est ça. Mais le chant, c'est la vie. Le premier instrument de l'homme, c'est la voix. Et comme je dis, il y a des profilers aujourd'hui au niveau de la voix. Rien que par la voix d'un individu, on peut connaître sa taille, on peut connaître son ethnie, on peut connaître ses origines, on peut savoir si c'est quelqu'un qui travaille, si c'est un ouvrier, si c'est un... À partir de la voix. À partir de la voix. Wow. Juste à partir de la voix, on peut définir. Et donc, et puis, la voix, c'est comme l'ADN d'un individu, c'est unique. Voilà. Tu vois. C'est unique. Même si souvent, il y a des... Voilà. Des similitudes. Voilà, mais c'est mais unique. C'est clair, c'est comme quand tu entends ta mère au milieu de plusieurs femmes, tu sais que c'est ta mère. Ça, c'est sûr. Franchement, ça, c'est sûr. Tu sais que c'est ta mère. On n'a pas besoin de te dire absolument. Donc, c'est vrai que c'est important tout ça. Mais... Aujourd'hui, en 2020, on était parti sur un nouvel album qui devait normalement arriver avec tout ce qui l'accompagne. Oui. Sauf que ça sort le 14 mars, c'est en 2020, le monde va mal. Le monde va c'est super pas possible. Mal. Comment t'as géré ça? Non, mais la musique, c'est toujours adapté. Oui. Ah, en plus, ça tombe bien. Moi, je suis content que l'album... Ah. Oui, absolument, parce qu'il n'y a pas d'autres albums pour jouer. Enfin, donc, la promo, toutes les radios, les télés, ils jouent l'album de Bill. Et le temps qu'on va... je remercie d'ailleurs les médias. Comme quoi, il faut savoir tirer du positif. Ah, bien sûr. C'est pas calculé. Non, mais c'est arrivé. Mais on l'a constaté. En plus... Quand on sort un album, moi j'aime bien laisser du temps avant de commencer les concerts, la promo de l'album. D'ici là que les mélomanes commencent à chantonner, s'approprier de l'album. Et j'espère que bientôt les frontières vont s'ouvrir et puis on va pouvoir commencer maintenant les tournées, les concerts de promo. Mm-hmm. Et puis voilà. Donc, c'est, on va dire juste dire, ça a eu un impact positif ou négatif sur les chiffres, le gombo de l'album, les ventes. Non, moi, en fait,
C'est 6 mois après, des fois, qu'on fait le point sur les ventes. Mm-hmm. Donc, on n'a pas encore fait le point sur les ventes. Mais elles sont bonnes, pour l'instant, elles sont bonnes. Absolument, je crois, oui. Donc, okay. On va dire que, bon, c'était quand même de bonnes guerres. Voilà. En fait, c'est pas... En fait, quand un enfant veut venir au monde, ça veut dire qu'il ne choisit pas le jour, tu vois. Mm-hmm. Enfin, parce que l'album, on a eu plusieurs fois, on a programmé la sortie. Cette fois-ci, qu'il pleut ou qu'il neige, comme on aime le dire. Voilà. Il faut juste le faire. Il faut le faire sortir. Et il est sorti. Oui. D'accord. Et bon, il profite de la situation. Absolument. Pour faire son petit bonhomme de chemin, tranquillement. Oui. Il s'invite dans la vie des gens. Et ensuite, maintenant, on espère que tout va vite rentrer dans l'ordre. Oui. Pour qu'on puisse parler de tournée. Voilà. Pourquoi pas, on va avec lui en tournée? Avec plaisir, déjà que j'adore voyager. On peut venir? Absolument. On va... Alors, on va commencer par tourner à l'intérieur du Burkina d'abord. C'est pas grave. Ensuite, la sous-région. D'accord. Ah. Et puis, plus tard, l'Europe. Voilà. OK. Non, moi, je suis un technicien. Hein. Je peux juste placer le matériel de concert. D'accord. Ce rôle me suffit largement. Stéphanie va présenter le concert. J'ai trouvé le poste de Stéphanie et Raphaël Lecoeur. Et puis la percussion. Je pense que le concert a encore pour. Souffre, Alex. Elle va faire juste la voix principale, en fait. Elle va prendre pas des harmonies compliquées. Non, je ne fais démarrer. Pas. Non. Voilà. Merci, Bill, pour la confiance. Oui, oui. Merci. Il a confiance, oui, en ce qu'il m'a transmis. C'est ça, en fait. Voilà. Non, mais heureusement qu'il a vu ce que tu es capable. Si, j'espère que je n'aurai pas un problème avec les jeux. Parce que si tu commences à me suivre dans les concerts, on dit allô là, c'est comment? Stéphanie, tu reviens plus pour le loft? Si, je viens, je pars. Tant que c'est là. On gère. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est un peu invité dans ton univers. Oui. Mais comme je le disais en intro de cette émission aujourd'hui, on démarre le mois de juin, le 21 juin, c'est la fête de la musique et on a voulu essayer d'explorer plusieurs facettes de la musique dans le monde, dans notre vie, au quotidien. Et il se trouve en fait qu'aujourd'hui, 1er juin, c'est également la journée des parents. Ah ouais? Ah oui. Bon? Donc on s'est dit... Je ne savais pas aussi que c'est la journée des parents aujourd'hui. C'est la journée des parents. Bon, la fête des mères, c'est dimanche, mais les parents, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, on s'est dit, ça peut être intéressant de regarder les inspirations de musique d'Afrique. Mm-hmm. Ce que nos parents ont fait comme musique, ce que ceux qui étaient d'ici, qui ont été déportés ailleurs, ont fait comme musique. Oui. Les musiques qui s'inspirent de l'Afrique, on en parle aujourd'hui. Et justement, on a posé la question à quelques mélomanes, à quelques téléspectateurs et à des amis à nous sur justement leur avis des sources d'inspiration de musique africaine. On regarde le micro-trottoir et on revient pour notre sujet. Étant burkinabé, je dirais d'abord que le warba est une musique de type africaine. En dehors de ça, nous avons la rumba congolaise qui fait danser le monde maintenant. Nous avons aussi le coupé décalé qui n'est plus quelque chose à cacher, qui fait danser le monde entier aussi. Toutes les musiques viennent d'Afrique. Voilà, donc on a le jazz qui vient de l'Afrique, l'afropop, ça c'est de l'Afrique. Maintenant, il y a le gospel. Un style de musique gospel qui est la plupart chanté par des Afro-Américains. Ça aussi, ça vient de l'Afrique. Bon, disons, moi, grosso modo, je ne peux pas dire musique sans dire Afrique. C'est de savoir d'abord que nous avons d'abord nos musiques, sinon nos chants traditionnels. C'est aussi une forme de musique. Elle est d'abord patrimoine culturel. Et puis, il faut savoir que la musique a beaucoup voyagé. Aujourd'hui, on vous parlera, l'Africain surtout veut s'identifier dans un style de musique qu'on appelle l'afro, qui est aujourd'hui le cocktail musical de tous différents pays. Donc, je dirais que la base de la musique, elle est africaine. Toute musique vient d'Afrique, parce que si nous partons dans la généalogie de la musique, il faut savoir que même en Europe, même aux États-Unis, les premiers chants ont été les douleurs exprimées par ceux qui ont été déportés de l'autre côté. Donc, c'était des cris de cœur. Donc, tout style de musique est originaire d'Afrique. Les musiques d'origine africaine sont basées donc justement sur le folklore. Et quand on parle de folklore, on parle d'instruments
de musique. C'est vrai que le thème traditionnel est souvent de plus en plus perçu comme étant péjoratif. Mais j'aime bien l'utiliser pour faire un peu la différence entre la tradition et la modernité. Donc pour moi, ce qui me concerne, pour moi, quand j'entends par musique africaine, c'est surtout les ingrédients musicaux, notamment les instruments. Ça peut être le djembé, ça peut être le lunga, ça peut être le tam-tam traditionnel. C'est ça qui fait ressortir un peu la quintessence de la musique africaine. Et puis bien entendu, vient après la voix, notamment la langue. Donc, et puis c'est tellement perceptible qu'on a fait directement le distinguo entre les musiques, les instruments modernes tels que les guitares électriques, les guitares basses ou bien les batteries. C'est ça qui fait d'abord la différence. Après maintenant, il y a les fusions dont on parle. Les jeunes maintenant de plus en plus font une sorte de fusion avec les musiques. Chacun donne des noms qu'il entend. Hein. Je ne voudrais pas mieux les citer ici, mais tout cela est basé sur le folklore africain. Ceux qui les jouent, c'est généralement nos anciens, nos parents, nos grands-parents. Voilà pourquoi la transmission est très importante. Nous, on défend ça régulièrement. Les anciennes musiques, les anciennes chansons, les chansons qu'on, les rituels qu'on chantait dans les funérailles, dans les baptêmes, doivent perdurer. Si on casse ça, on va vraiment perdre nos valeurs. Donc pour moi, c'est un peu ça qui va toujours déterminer notre identité musicale. Eh bien, nous voilà de retour sur le plateau des avis sur la musique africaine de façon générale et par ricochet sur celle du monde. Appréciation de ce qu'on a entendu. Oui, il y a des choses qui ont été dites qui sont justes, oui, mais dire que la musique, l'origine de la musique, elle est africaine, c'est pas vrai. D'accord. Ouais, je suis africain, on est tous fiers d'être africains. Oui. Mais sinon, enfin, si on dit que le premier, on vient d'Afrique. Justement, c'est ce que je voulais donc, dire. Mais il y a eu des formes de musique. Par exemple, la musique classique, la musique européenne existe depuis longtemps. Et ce dont on parle aujourd'hui, l'esclavage, quand on a amené nos ancêtres aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelle les work songs. Ça veut dire que c'est les chansons qu'on chante pour travailler, pour se donner le courage de travailler. Voilà, d'accord. C'était les work songs. Après, quand l'esclavage a été aboli, on a permis aux Noirs d'aller dans des églises. Oui. Donc avec ces work songs, quand ils ont commencé à découvrir le piano, les instruments, et donc réadapter. Parce que la façon, c'était joué de façon classique, ça correspondait pas. Ça ressemble pas à ce qu'ils font. Et donc ils ont commencé à garder un peu une partie de ce qu'ils avaient en améliorant avec les pianos, les instruments, et là ça a donné lieu au négro spirituel, le gospel, le négro spirituel. Ensuite il y a eu le blues, le mélange. D'accord. Et puis après il y a eu le jazz. Après le jazz, après la guerre, il y a eu le bebop, le swing, parce qu'on trouvait que c'était un peu lent, la musique d'improvisation. On accélérait un peu pour permettre aux gens de... Voilà. Oui. Donc c'est vrai que si on regarde sur cet angle-là, la musique d'inspiration africaine, en tout cas d'aujourd'hui, tout ce qui est musique populaire, il y a une forte, ça a été beaucoup imprégné par les Noirs ou les Afro-Américains ou l'Afrique. D'accord. Voilà. Alors on va faire une petite pause pour accueillir une personne vraiment spéciale sur ce plateau, parce que aujourd'hui j'ai juste envie de dire on est honoré de recevoir un trésor humain vivant du Burkina. Donc j'ai envie de dire un CV long comme un bras, une personne imminente, un savoir immense, une transmission à l'infini. Et aujourd'hui nous sommes très honorés de recevoir sur le plateau du Loft pour parler musique Konomba Traoré. Donc juste en face de moi, donc merci de nous rejoindre. Bonjour. Bonne arrivée. Bonjour à vous. Merci beaucoup de nous rejoindre et de nous honorer de votre présence. J'ai juste envie de dire, de nous amener un gros bouquin. Je n'ai pas vu le titre, il a l'air intéressant. Bref aperçu historique, tradition et croyance de l'Afrique noire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci d'être là. Merci. Moi, j'aurais espéré que vous veniez plus tôt pour vous demander, mais je vais vous poser ma question, parce que j'ai regardé sur les photos, j'ai vu quelques photos de vous plus jeune. Oui. Et j'ai envie de dire, vous avez dû avoir beaucoup de succès avec les femmes. Est-ce que je me trompe?
Non, Bila Kakura lui-même le sait en tant qu'artiste. Donc, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Et aujourd'hui? Toujours. Aujourd'hui, toujours. Parce que comme je suis traduit praticien, féticheur, tout ça, je suis fréquenté par beaucoup de femmes parce que les femmes ont plus de problèmes que les hommes. Elles ont vraiment plus de problèmes ou elles pensent avoir plus de problèmes? Hein? Elles ont vraiment plus de problèmes ou est-ce qu'elles pensent avoir plus de problèmes? Non, c'est nous les hommes qui leur créons ces problèmes-là. Ah, ok. D'accord. Alex, t'as entendu? Bill, oui. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est sage. Parce que quand ça vient de nous en général, on dit oui, les femmes encore. Non, non. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. C'est sage. Il nous a beaucoup inspiré. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est vrai. C'est les hommes qui causent beaucoup de problèmes aux femmes. Je suis d'accord avec lui. Je suis contente. On est le 1er juin, on n'est pas le 8 mars, mais je suis super contente. Oui, j'ai fait une émission même à Ouaga FM, là. Oui. J'ai dit que, en fait, si Dieu a prévu une seule salle pour l'enfer, il devra multiplier ça par 10, parce qu'il y aura trop d'hommes qui vont aller là-bas, oh, par rapport aux femmes. Et j'ai dit, comme preuve, chaque homme n'a qu'à regarder dans la semaine combien de bien il fait à sa femme et combien de mal. Ouais, il faut juste évaluer. Les mots transcendent, ouais. Les méfaits la transcendent. Je suis homme, je le dis, c'est vrai. C'est vrai, j'ai affirmé ici que nous causons le plus de problèmes aux femmes. D'accord. Bon, mais aujourd'hui, on parle musique. On parle musique parce que ce sujet, il est tellement important et en même temps sensible que si on commence sur Facebook, tout le monde va oublier musique pour parler femmes, oui, hommes et tout ça. Donc, on revient à la musique. Vous êtes prof de musique, musicologue. Oui, je suis professeur de musique et puis, facteur d'instruments traditionnels, de musique traditionnelle. Exactement. Et puis, voilà. Moi, j'ai vraiment eu la chance de vous entendre jouer l'hymne national au Balafon. Ok. J'ai eu cette chance-là. Okay. Et avant que vous ne veniez, on a suivi un micro-trottoir où on demandait justement les avis des uns et des autres sur les inspirations musicales made in Africa. Et il y en a qui ont dit « toute musique vient d'Afrique ». Donc, on en parlait tantôt avec Bill et moi, je dis « bon, est-ce qu'on peut vraiment affirmer ça comme ça ?» Bon, j'ai entendu quelques phrases de Bila Kakura. Oui. Et moi, c'est un garçon dont j'ai toujours été fier. Moi, je l'ai toujours cité en exemple. Oui. C'est pas parce qu'il est là, je l'ai toujours cité en exemple parce qu'il fait partie de cette génération-là qui a vraiment mis de la vigueur dans notre musique traditionnelle. Oui. Quand on regarde ses compositions même là, la valeur de ses compositions. Parce que la musique est valable d'abord à travers deux choses, la mélodie, la force de la composition et le rythme. Oui. Mais lui, il a tout, il a cerné tout. Et de façon brillante alors. Merci. Et parce que quand tu regardes la composition, les compositions de Bila Kakura, moi je ne comprends pas Gurunsi, mais ce qu'il chante en Gurunsi, ça m'émeut. C'est comme le Waraba de Joro Ouédraogo, j'ai toujours dit ça. On n'a pas besoin de connaître la langue. C'est vrai. Mais si elle est bien travaillée, elle est bien faite, nous ne comprenons pas le lingala. Si elle est bien faite, ça émeut. La musique doit émouvoir. C'est ça. Bon, donc si ça émeut, c'est que c'est bien fait. D'accord. Ça touche les sens. Et ça touche ses messages aussi. Parce que souvent, je me fais traduire ça. Ces messages sont toujours d'actualité et seront toujours d'actualité. Donc, ce sont des choses transtemporelles. Ça va transpercer le temps. Donc, dans 50 ans encore, on va jouer ses rythmes. Ouais, c'est vrai qu'il nous a dit qu'on chante quand on a quelque chose à dire. Il le disait tantôt. Donc, le message est très important, la force du message aussi. Et quand il parlait tantôt de musique d'origine noire, quand on parle un peu du work song, du négro spirituel, on est vraiment dans un message à passer. Parce que là, c'est quelque chose qui est exprimé en musique. Mais ce que moi, j'ai envie de savoir, est-ce que dans... On nous a beaucoup dit, hein, le jazz, c'est les esclaves noirs et tout ça. Mais est-ce qu'on retrouve des rythmes africains typiques dans ce style musical, à ses origines? Et moi, j'ai écrit dans mon livre ici d'ailleurs. Oui. J'ai dit, les esclaves avant-hier, bon, parce que le livre traite de l'Afrique depuis
l'attrait des Noirs, ils achetaient un bon donc, c'est le mois d'attrait des Noirs. Mm-hmm. Les esclaves étaient amenés au comptoir, hein, examinés, et puis ensuite on les envoyait bon, dans les plantations là. Mm-hmm. Et l'attrait des Noirs donc a donné pour ça, puisque les Noirs étaient dans les plantations, mm-hmm. un visage particulier au monde entier, et une musique traduisant la douleur des Noirs loin de leur pays natal. Oui. Les terres natales. Une musique dont les maîtres, d'ailleurs, furent les Louis Armstrong, là. Oui. Mmh. Et puis, bon, c'était un chanteur trompettiste, et méritait les, et puis, les Richard, toutes ces oui. choses-là. Mais, et, les esclaves, donc, en partant de chez eux, n'ont eu à emporter que leur culture. Oui. Ne serait-ce qu'une partie de leur culture. Et dans les plantations là-bas, pour se retrouver, et puis pour passer le temps, et puis pour ne pas mourir, parce que les mauvaises pensées tuent, la nostalgie peut tuer. Donc, ils se remémoraient leur musique dans du terroir, en se réunissant secrètement, parce que si les maîtres les voyaient là-bas, on les tuait. On n'avait pas le droit de manifester, le noir n'avait pas le droit de manifester sa culture là-bas. Or, on peut tout enlever à une personne, sauf la pensée oui. et les talents. Vous voyez? Donc, ils ont commencé à se réunir pour chanter. Il n'y avait pas d'instrument. Ils n'avaient pas mené d'instrument de musique là-bas. On imagine. Donc, ils chantaient en rythme, soit avec. Bon, le rythme est les rythmes sont faciles à trouver. Donc, c'était des chansons langourantes comme ça, de plaintives, bon, le jazz, tout ça, les gospel, tout. C'est inspiré de ça, les complaintes et les plaintes des Noirs, d'être amenés loin de leur patrie. Et de ne pas, avec la pensée que pour y retourner, ça sera quasi impossible. Vous voyez, tout ça là, ils ont traduit ça dans leurs chansons. C'est pour ça que leurs chants, c'était au départ des choses, là. Bon, ça n'était pas rythmé, c'était des, ils se réunissaient pour chanter, pour... Voilà, c'est peu après, c'est après que, bon, le chant, la musique est bien, la chanson a de la valeur aussi quand elle est instrumentalisée. C'est sûr. Quand il y a les instruments derrière pour l'accompagner, quoi. Oui. Bon, donc, plus tard, ils ont introduit les rythmes, etc., etc., avec les peu de choses qu'ils avaient là-bas. Il suffit qu'ils trouvent et de la ferraille ou... quelque chose comme ça qui pouvait dessus. Faire tambour là, même les boîtes de choses où on peut faire, et puis avoir des doundoundou là. Et puis ils ont des choses ça. Bon, les rythmes cubains. Bon, en fait, on a révolutionné la musique quand même dans le monde. C'est reparti les Amériques là, et puis même dans les Antilles, là, tout ça là, Haïti, tout ça. Oui. Les rythmes du vaudou là, oui. ce sont des rythmes africains. Moi, j'ai joué avec des musiciens du vaudou en France. Ce sont des rythmes africains, les tambours, là, et puis... Ce n'est pas le sujet, mais j'ai bien envie de poser cette question quand même. Oui. Est-ce que le vaudou en Haïti est parti d'Afrique ou était déjà là? Le vaudou. Le vaudou. En Haïti. Est-ce qu'il était déjà en Haïti ou c'est venu d'Afrique? Très bien. Je suis un des grands amis, des grands maîtres du vaudou du Bénin, justement. Et le vaudou est parti d'Afrique. D'accord. Ah oui, le vaudou est parti d'Afrique. Le vaudou est parti des côtes du Bénin. Ok. Les côtes du Bénin, là, c'est Nigeria, là. Nigeria, Togo, chose Bénin. Mm-hmm. Et jusqu'à présent, les Haïtiens, là, nos frères noirs des îles, là, oui. Guadeloupe, Antilles, tout ça là, Haïti. Haïti, oui. Disent que leur mère patrie, c'est le Bénin. Ah. Dans le vaudou, on dit ça, on précise ça. Donc, ça veut dire que le vaudou vient d'Afrique. Okay. Et comme les Noirs ont transporté leur culture ailleurs, mais ce n'est pas étonnant qu'à Haïti, on trouve le vaudou. Naturellement. Et c'est pas Haïti seulement, mais c'est plus que... Plus dense là-bas. On le sent plus en Haïti. Et oui. Voilà. Et quand ils quittent, ils veulent rentrer au vaudou, que c'est leur mère patrie là-bas. Mm-hmm. Et les dieux là, les dieux du vaudou là, ils ont les mêmes dieux là-bas. D'accord. Donc ça a été transposé. C'est exactement. Oui, oui. Je dis, on peut retirer tout à quelqu'un sauf sa culture. D'accord.
Bon, ça, c'était moi ma curiosité par rapport au vaudou. On revient à la musique. Mmh. Parce que non, c'est le vaudou, notre... la patrie, c'est au Bénin. D'accord, ok. Donc... et puis dans, pour ajouter, la musique, ce qu'on appelle la musique spirituelle. Oui. Donc oui. Dans le vaudou, oui. La musique a une très grande une place, occupe une très grande place pour rentrer en transe et tout ça. Oui. Dans les cérémonies. Voilà, ah, oui. Dans les cérémonies. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Voilà. Ok. Mmh. En fait, la question qui m'inspire là, est-ce que Bill a souvent entendu des gens dire que la musique qu'il fait aujourd'hui, mmh. en voyageant un peu vers le jazz, c'est de la musique pour occidentaux? Est-ce que tu t'es déjà entendu dire ça? Non, ça, en fait, c'est au début de ma carrière, oui. Parce que quand je faisais Douatou, les gens disaient non, ça c'est une musique pour les Blancs. Mais en fait, parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, oui. Au début, tout ce qu'ils découvrent. Donc, il faut laisser le temps aux gens d'écouter, de comprendre que ça vient de chez eux. Mm. Même mes propres parents à Pau, ils avaient du mal parce que j'aime bien modifier les accents. Mmh. Comment on chantait ça, parce que sinon, mmh. si je voulais chanter ça, ça va être la musique traditionnelle assez monotone, répétitive, et hors contexte. Parce mmh. que mmh. la musique traditionnelle, mais quand elle est répétitive, on la joue, c'est pour quelque chose. Oui. Voilà. Donc ce que moi je voulais faire, je vais jouer avec d'autres instruments, avec ce que moi j'ai écouté. Donc il y a des moments, j'ai tordu. C'est plus tard qu'ils comprennent, parce que quand on va, après dans les tournées, quand on va jouer à Putenga, quand on va jouer à Waiguya, les gens ils rentrent dedans tout de suite. Parce que notre musique, toutes les musiques se ressemblent en fait. Oui. Voilà. Okay. Ça, on emprunte. C'est, des fois, c'est les accents qui changent. Un jour ici, l'autre jour là. Mais sinon, c'est à la base, quand on écoute, c'est presque le même rythmique. Oui, enfin. Et ton mérite vient de ce que toi, tu as su, agréablement et intelligemment. Merci, papa. Et, faire des recherches. Oui. Et puis faire. Je dirais des synthèses, quoi. Ouais. Parce que, regarde, quand on entend sa musique, par exemple, on est dans la musique traditionnelle aussi. Oui. Mais on est au-delà de la musique traditionnelle parce qu'il va au-delà de ça. Parce que ce n'est pas une musique traditionnelle transposée. C'est ça. Voilà. D'accord. C'est défiguré, défiguré, entre parenthèses, exprès. C'est-à-dire, oui. Il y a apporté du sel et du piment. C'est défiguré, mais c'est beau, oui. c'est et magnifique. Même, et même quand il parle de l'intonation, vous savez, oui. la musique, oui. c'est quelque chose qui doit être agréable à l'oreille. Absolument. On dit. Agréable à l'oreille oui. et émouvant. Donc les sens même participent à ça. Oui. Si tu prends n'importe quelle langue, il a cité sa langue Gurunsi, on prend n'importe quelle langue. Si tu veux transposer, composer par rapport aux intonations pures de la langue-là, musicalement, ça ne passe pas. Ouais. Donc, il a oublié de changer certaines intonations même. Ouais. Ouais, parce que la musique est un art. Et comme tout art, c'est en même temps une science. Ouais. Et en tant que science, il y a des principes clés. Voilà, et des codes. Bon, donc, lui, il a oublié de tenir compte de ça pour qu'elle soit belle. Donc, il faut casser ici pour respecter les codes-là et que tout s'harmonise pour donner quelque chose de magnifique au Absolument. Bout. Alex, ça va envie de dire quelque chose. Oui, en fait, c'était un peu par rapport à ça, ma question. Je pense qu'elle a été en moitié répondue, mais j'ai besoin de plus d'éclaircissement. Donc, pour toi, Bill, et pour papa, j'aimerais savoir pour faire perdurer et faire mieux exporter la musique africaine, notre musique de base, de souche, est-ce que tu penses qu'on devrait plus essayer de la moderniser, de moderniser un peu plus nos rythmes pour les faire aller plus loin? Je sais pas, je vais laisser tonton répondre, je ne vais pas répondre d'avant. Est-ce qu'il faut travailler à moderniser nos rythmes? C'est bien que parce que vous avez affaire à deux gens de musiciens ici, oui. Aquacola qui est plus... qui a un pied dans le moderne et un pied dans le traditionnel. Hein. Oui. Moi, je suis purement traditionnel. Quoi. Oui. Bon, donc, ça va bien. Moi, j'ai été justement... Ta question est bienvenue. Hein. Oui. Moi, j'ai fait un CD là, en duo avec un musicien traditionnel, mi-moderne, en français, qui est renommé, qui s'appelle Mikiu Montanore. Il a participé même au NAC là. Je crois que tu dois le connaître. Bon, c'est un pluri-instrumentiste, il joue en même temps, il chante toujours comme Bilakakura. Bon, c'est bon. Et donc, il m'a demandé, il m'a fait venir en France spécialement pour faire des recherches sur ça. Pour que ça ne soit pas de la musique, nos compositions ne soient pas que de la musique pure traditionnelle, ni française, ni africaine. Et que ça soit quelque chose, bon, je ne sais pas comment.
quelque chose de nouveau. Ainsi donc, la valse française là, oui. J'avais amené mon balafon, je jouais la valse africaine sur mon balafon pentatonique là, et lui jouait ça sur son saxo différemment. Radio France International même nous a appelé spécialement pour aller jouer cette valse-là, parce que c'était du nouveau. Oui. Tu écoutes une valse ça balafon. À travers lui, c'est la valse. Tu écoutes ça à travers mon balafon, c'est la valse. Okay. Mais bon, donc, pour conjuguer les deux musiques, puisqu'on dit aujourd'hui, bon, avec le... bon, il faut... La musique voyage. Oui. Aucune musique ne peut se renfermer sur elle-même. C'est pas possible. Donc, la musique est dynamique. Si elle est dynamique, bon, elle a affaire aux autres, elle se mélange à d'autres musiques. Okay. Donc, souvent, jouer purement traditionnel, là, bon, moi, je peux jouer purement traditionnel, hein. Mais je peux jouer aussi mi-traditionnel, mi-musique, chose, hein. Parce que moi, je joue plusieurs instruments, la guitare, la kora, etc. Tout. Oui. Donc, je peux composer autant de choses. Mais je me dis, si on sort de son pays, on doit s'apprêter à jouer avec les autres cultures, dans les autres cultures. Lui, s'il va, il va n'importe où, avec sa culture gourussi, là, ses rythmes gourussi, c'est quelqu'un qui peut s'insérer facilement dans toutes les musiques. C'est ça qui est souhaitable. Mais pour cela, bon, comme les guitares sont déjà accordées, il n'y a pas de problème, mais si, nous, les instrumentistes traditionnels, là, la kora, les balafons, il faut s'accorder aux instruments qui existent déjà sur le plan international. Parce que quoi qu'on le veuille, nous ne pouvons pas réinventer des choses qui, sur le plan international, sont déjà posées, des normes. Les normes musicales sont déjà posées. Oui. L'orgue s'accorde d'une manière, la guitare s'accorde d'une manière, etc., etc. Bon, donc les saxos, tout ça, on ne peut que s'accorder à ça. Mais s'accorder à ça, cela ne veut pas dire qu'on défigure notre musique. Non, la musique est une question de gamme. Bon, donc si... On s'est accordé, tu as accordé ton balafon à la, par rapport aux autres instruments, tu joues. Même par rapport aux instruments arabes, là, tu joues. Et un jour, Mimi Ley, il était dans son studio là, il y avait un balafoniste d'Ambélé là, qui voulait enregistrer. Bon, il amène, quand Mimi Ley a voulu l'accompagner, il voit que ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Donc, c'est le balafon, en fait, qui n'était pas accordé. Puisque on ne peut pas refaire une saxo ou une chose là. On ne peut pas désaccorder ça tout de suite pour accorder. C'est le balafon qui doit s'accorder. Donc, il m'a appelé. J'étais à l'école de musique. Il dit, Konamba, écoute cette musique-là. J'ai écouté, je dis, ça ne marche pas. Bon, il dit, j'ai ici un musicien traditionnel qui a son balafon, mais son balafon n'est pas accordé. Comment on fait? J'ai dit, bon, quand la musique est harmonie, il faut que ça soit harmonisé, il faut que ça soit accordé. J'ai dit à Bakri, au musicien de chanter, quand il a chanté, j'ai dit, joue le balafon. Il dit, non, ça ne marche pas. Donc, j'ai quitté l'école de musique pour venir démonter son balafon, accordé. Ah. Accordé pour que ça puisse jouer. Oui. Et ça marche après? Ah, bien sûr. D'accord. Donc, on a tantôt parlé de la musique qui voyage. Oui. Les esclaves ont été déportés. Oui. Ils sont partis avec leur culture. Mm-hmm. Ils ont fait naître quelque chose. Mm-hmm. Mais est-ce que le voyage de retour a été facile? C'est-à-dire le retour du jazz vers l'Afrique, du gospel vers l'Afrique. Comment ça s'est passé? Non, mais en fait, pendant que ça se faisait là-bas, ici aussi ça évolue. Ça se faisait. Le papa l'a dit tout de suite. Il y a une évolution. Après, les gens, ils ont appris aussi à jouer des instruments modernes. C'est tombé ici. Ouais. Donc, il y a eu des grands groupes, les Bembea Jazz, tous ces groupes-là qui ont su s'adapter, qui ont pris les instruments, ils ont commencé à jouer leur musique traditionnelle avec des instruments modernes. Par exemple, la rumba, on dit la rumba congolaise, mais la rumba, d'abord, elle est partie du Congo pour se retrouver à Cuba. Ouais. Et puis, et puis revenir, tu vois. Mais, voilà, le voyage se passe. Moi, je dirais que c'est comme l'esclavage. On a voulu, pendant longtemps aussi, singer. On a voulu ressembler aux Blancs. On a voulu copier les autres. Même à l'intérieur du continent, on a voulu copier ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. C'est tout le cas du Burkina. On a voulu copier ce qui se passe ailleurs. Tout en ne sachant pas qu'on a les mêmes choses ici. Exactement. Voilà.
Donc, le voyage, moi, je crois que la musique, c'est un art qui a toujours su résister à tout. Ça a traversé les guerres, ça a traversé l'esclavage. Et donc, le retour se passe à un moment donné, parce que quand nous, on ne pouvait pas enregistrer. Donc, il fallait aller s'asseoir quelque part pour jouer, pour entendre les gens. Et donc, la technologie, avant, nous, les grands groupes allaient enregistrer aussi en Europe pour revenir. Et puis, on revient, on trouve que les gens n'ont pas des appareils pour lire cette musique. Donc, ils ont commencé à jouer dans les bars. Le papa peut témoigner. Mais moi, je dirais que le toujours, il est là. Le retour, il est là. D'accord. Il a toujours été là. On dit d'ailleurs que rien ne voyage aussi vite et aussi bien que la musique. Le premier grand voyageur. C'est la musique. Moi, je pensais que c'était la lumière. Comment? Je pensais que c'était la lumière. Non, à dehors de la lumière, quoi. C'est la musique, d'accord. En fait, bon, on peut dire que la musique est trans... Bon, ça... Il n'y a pas l'espace, quoi. Oui. Oh. Mais Birk Akakura, il peut se trouver, par exemple, en Guinée aujourd'hui. C'est vrai. Bon, pendant qu'il est dans le car, il est en train de voyager avec... avec un Congolais. Il fredonne quelques chansons là-dessus. Bon, donc, tu vois, la musique voyage plus facilement. C'est vrai, absolument. Mais est-ce qu'il y a eu... c'est vrai que quand on parle musique ici, quand on remonte dans les années 60, au début, on était plus dans de la salsa, dans un peu de rumba, dans du jazz qui est revenu. Mais après, c'est un sentiment personnel, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une rupture avec la génération suivante, qui est reparti sur un autre style de musique. Pourquoi il y a eu cette cassure-là? Parce qu'aujourd'hui, en général, quand tu entends salsa, on dit « Ah, mais c'est de la musique rétro, c'est pour les vieux, là. Les jeunes ne se reconnaissent pas forcément dedans. » Pourquoi il y a eu cette rupture à un moment donné? Parce que, je donne un exemple. Sian Koulibaly, il a été... Il a incorporé, lui a dit, il y a des orchestres qui ont incorporé des instruments traditionnels dans leur musique. Tsigane Koulibaly fait partie de cela. Mais bon, et notre génération, la génération de Tsigane Koulibaly là, bon, c'est pas la génération des Birk Akakura. Bon, sur quel plan? Nous, on s'est beaucoup intéressé à la musique traditionnelle parce que c'est elle-même qui était disponible. Il y avait pas, il fut un temps où tu ne peux pas trouver une guitare comme ça. Tu vas trouver ça où? Moi-même, j'ai appris à jouer à la guitare, mais c'est une vieille... c'était un exploit d'acquérir ça. Racontez-nous cette histoire. Moi, j'ai envie de savoir. Mon ami et grand frère, paix à son âme, Feu Sotigui Kouyati. Moi, je jouais dans sa troupe, les ballets de la Volta, et puis bon, moi, il avait une guitare. S'il laissait la guitare, moi, je prenais ça. Moi, j'ai appris tous les instruments que je joue, là, personne ne peut lever le doigt. Lui a appris ça à Traoré Colomba. Ça, ce n'est pas de l'arrogance, c'est la vérité. D'accord. Parce que moi, je suis un autodidacte, je me savais aussi très doué dans les arts. Bon, donc, pour celui qui est doué, il apprend plus facilement. Lui, il est très doué. Bon, c'est pour ça que les choses sont beaucoup plus faciles chez lui que les gens qui forcent. Même quand on le voit jouer, on sait que c'est l'inspiration et puis le talent qui joue. C'est pas parce qu'il a il s'est trop entraîné. C'est que même s'il attrape tout de suite, il va composer quelque chose, il va composer avec la guitare là. Bon, donc ça, c'est les talents. Bon, donc, moi, j'ai vu la guitare là, j'ai dit, mais comment acquérir ça? Surtout qu'il même avait acquis sa guitare, comment? Bon, donc, il n'était pas question qu'il me la donne. Un jour, comme ça, en me promenant à Dapoya, j'ai trouvé une vieille guitare là. Mais je l'ai achetée, c'était combien? 7000 francs. Vous voyez, à l'époque, c'était en 1968. Wow. Je l'ai acheté à 7000 francs. Et puis, il y avait un Guinéen là qui jouait les rythmes du Bembe, qui jouait les rythmes mandingues là. Bon, moi, je l'avais enregistré. J'avais un vieux magnétophone là, et puis je me suis mis à apprendre. Donc pour découvrir même la gamme, les gammes majeures, tout ça là, c'était compliqué, bon. Mais pour l'autodidacte que je suis, on cherche, on trouve plus facilement. Ça, je dis, je remercie Dieu pour deux choses.
il m'a donné une bonne santé. Moi, avec mes 74 ans, là, je ne suis jamais tombé malade. Okay. Et c'est parce que mon papa était tradit, praticien, grand tradit, praticien, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu m'a donné ça. Deuxièmement, il m'a donné beaucoup de talent artistique. Oui. Ah oui. Et même quand je joue en Europe, les gens disent, Konamba, est-ce que tu ne trouves pas que Dieu est injuste? trop de talent. Trop de talent. Trop de dons en un seul homme. Oui. Très bien. Donc, moi, j'ai appris comme ça. Et puis, voilà. Et puis... Vous étiez déjà très high-tech. Parce mais beaucoup de... On parle de magnéto. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que je fais la guitare. Ah oui. Ah non, mais les djangoba ici, là, les musiques mandingra. Oui. Moi, j'anime les djangoba et la guitare. Mon fils, là, Djoufo, je lui fais la chorale, les balafons. Je lui ai tout appris, tout ce que je connais, je lui ai appris. Donc, on fait les rythmes manding. Oui. Donc, c'est moi qui joue à la guitare. Un jour, d'ailleurs, il y a un guitariste qui est venu me trouver, André, je... il dit, tu ne savais pas que je connaissais la guitare aussi? Il dit, oui. Quand on dit Konamba, on voit le traditionnel. Donc, pour revenir à l'affaire, oui. Nous, on est resté beaucoup dans le traditionnel. Là. Oui. Mais moi, j'ai accompagné Tidiane dans certains morceaux tout, au balafon, oui. dans ces choses. Hein. Qui a qui a entendu cela? Bon, c'est moi, il joue le balafon dedans. Et puis, d'accord. Bon, okay. Voilà. Et la génération d'aujourd'hui, il y a très peu qui ont emprunté ce chemin que Bill Akakora a emprunté, c'est-à-dire aller chercher. À partir des sources, quoi, de la source traditionnelle, là, s'inspirer de ça pour faire. Bon, parce que valorisation pour valorisation de notre culture, moi je dis, ce sont des gens comme ça qui valorisent notre culture. Parce que bon, la musique moderne, elle est bien, elle n'est pas arrivée. Moi je me dis, exprimer sa culture à travers des éléments étrangers à culture, c'est pas évident comme ça. Parce que force doit rester quand même à une certaine authenticité. Sinon, métissa pour métissa, on parle de métissa culturel. Moi, je dis que je ne crois pas comme ça. Hein. Parce que finalement, on va tuer notre culture. C'est parce qu'on va... Mais l'Europe, là, les Occidentaux, ils n'ont plus de moyens d'expression de leur culture. Donc finalement, nos cultures, là, face à face, là, mélangées, là, ils vont dominer. Ils vont dominer. Oui, mais parce que aucune culture n'est supérieure à l'autre. C'est seulement les moyens d'expression d'une culture qui peuvent donner l'apparence qu'elle est supérieure à l'autre. Et nous savons, regardez ces histoires de sonos, tout ça, la musique, comment elle est devenue la technologie, chose-là. Bon, donc, si on ne fait pas attention, métissage pour métissage, si on n'a pas un pied dans notre culture, on a un pied dans l'autre, comme les Bill Akakora, elle a un pied dans la culture traditionnelle, et un pied de leur côté. Si on trempe nos deux pieds là chez le moderne, là, c'est fini. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que le travail est quand même dur de s'inspirer? Est-ce que c'est plus difficile de le faire que d'aller focus moderne? Mais est-ce que c'est le cas du Burkina ou bien c'est de l'Afrique en général? Quand tu parlais de la cassure. Enfin, moi, c'est un sentiment personnel. Donc, oui, je sais de ce qui se passe au Burkina. Voilà. Mais pour le reste de l'Afrique... Je rejoins Stéphanie parce que je pense que cette situation, elle est un peu africaine. Quoi. Tu penses que c'est de l'Afrique? Moi, je pense... D'accord. Bon, plus l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest francophone que je... Moi, je ne suis pas sûr. Ok. Moi, je ne suis pas sûr. Il y a Sidiki Diabaté, qui a fait des choses hyper modernes avec la kora. Oui, c'est vrai. Il y a les Emi Alade, il y a le Azonto. Mais la base, c'est la rythmique traditionnelle. Oui. Maintenant, c'est les instruments modernes. On ajoute une grosse batterie, on fait un gros mixage. On booste le son pour les boîtes de nuit. Mais pour moi, la base reste. Oui. Si on appelle ça, on dit l'afro-pop. Quand c'est bien fait, ça marche. Oui. Quand c'est bien fait, ça marche. Donc pour moi, il n'y a pas de cassure. Si on parle d'un rythme spécifique, genre comme le coupé-décalé, et même quand tu regardes le coupé-décalé, la base, aussi du départ de Zouglou, la base, il y a les riffs de guitare congolaise, il y a un mélange de musique traditionnelle ivoirienne et congolaise, avec les riffs de guitare qui donnent cette musique. Donc il y a toujours, l'ADN de la musique africaine et traditionnelle dans ce que les gens font aujourd'hui. Ouais. Maintenant, le problème, des fois, c'est mal fait. Je dirais avec l'avènement des home studios, des ordinateurs, chacun on s'assoit sur lui, on programme deux papa. Et là, ça fait qu'on a l'impression, mais il n'y a pas de cassure. Ah, donc en fait, c'est pour moi, il n'y a pas de cassure. On peut parler d'évolution.
Oui, mais c'est le mode de consommation. C'est une adaptation à la demande. À la demande. Les gens veulent faire un single, et puis on sort, puis on s'assoit. Oui. Et puis on tourne, on fait des playbacks, et puis on récolte l'argent, et puis on revient, on s'assoit. Mais sinon, voilà. J'ai un homme qui me disait que c'est le terrain qui dicte le combat. Mais moi, je ne suis pas de cet avis, forcément. Il faut forger ses armes pour le terrain. Il ne faut pas que le terrain décide. Voilà, décide. On va faire un exemple. Si moi et mon fils, si vous nous voyez jouer à la Kora, on a un morceau d'ailleurs qui s'appelle Dialogue de Kora. D'accord. Dialogue de Kora. Ben, c'est un morceau qu'on peut jouer sur 2 heures de temps si nous voulons, sans interruption. Et là, moi, je joue de façon purement traditionnelle. Moi, j'ai joué avec le père Toumani, Sidiki Diabaté de l'ensemble, son grand-père. J'ai joué avec lui ici en 1978. Bon, et quand moi je joue, tu vois toujours, c'est le même morceau. Mon fils joue. Quand mon fils joue, c'est le Bill Akakora. C'est-à-dire, c'est pas de la musique, c'est pas ce que je joue traditionnellement. Oui. Bon, il fait ça sur des rythmes de jazz. Bon, il modifie ça. Oui. Et c'est pourquoi ce morceau-là, quand on joue ça, c'est très beau. Moi, je joue ancien. Et lui, il joue. Je joue plus traditionnel. D'accord. Oui. Alors moi j'ai envie d'avoir en fait votre avis sur actuellement j'ai l'impression qu'il y a quand même un sursaut de retour aux sources. On a beaucoup de styles qui s'inspirent des rythmes de chez nous. On a l'afrobeat, on a plus, et même les jeunes noirs qui sont ailleurs, ils s'inspirent des rythmes d'Afrique pour créer de nouveaux styles musicaux. J'ai envie d'avoir votre avis dessus, mais on revient. On va faire une petite pause publicitaire et on revient pour que vous vous prononciez sur cela. Sans elle, moi, je n'arrive pas à m'endormir. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Depuis un certain temps, c'est vraiment la misère. Partout dans mon pays, les gens se plaignent. Supporter en amour, il faut supporter. Travailler à l'école, il faut travailler. Bientôt sur BF1. Et on revient sur le plateau avec des notes de musique. Non, allez-y, sentez-vous libre. C'est Daddy qui sera content. Merci beaucoup. Alors, on est de retour et je repose ma question. Aujourd'hui, quand même, on a l'impression que les jeunes sont conscients qu'il faut revenir aux sources, s'en inspirer, pour pouvoir justement préserver ce que nos parents nous ont laissé et ne pas se perdre dans ce métissage entre griffes pour être authentique. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi? Oui, enfin, c'est comme dans beaucoup de domaines, il y a surtout ce mouvement des Afro-Américains, les Back to My Roots, qui revenaient au Ghana, qui revenaient au Bénin, qui ont envie de... Parce qu'aujourd'hui, ce qui est bien dans la musique africaine, c'est que nous, on a plusieurs types de temps composés. Alors qu'en général, chez les Européens, leur musique, c'est du 4-4. Après, si c'est du rock, c'est du 2 temps. Alors que nous, on a la possibilité, en termes même de la rythmique et en termes au niveau des instruments, c'est beaucoup plus large. Ouais. Voilà. Donc,
quand même on est un bon rappeur qui vit aux États-Unis, pour marquer la différence, à un moment donné, on va s'intéresser à la musique africaine. Exactement. Pour amener quelque chose. D'ailleurs, les Awadi, depuis le temps de Positive Black Soul, ils l'ont si bien fait. Et en intégrant la musique africaine dans ce qui est au départ, qui venait d'ailleurs. Voilà. Donc, oui. Il y a quand même ce mouvement des jeunes. La musique africaine, oui. Les caractéristiques de la musique africaine sont que la différence d'avec la musique occidentale, là, la musique africaine, c'est le rythme. L'Africain danse, le noir danse, au son du rythme. Ce n'est pas de la mélodie. La musique européenne, nous on dit qu'elle est beaucoup plus mélodique. D'accord. La musique africaine est plus rythmée, les rythmes. Et il y a tellement de variétés de rythmes que même l'Occident là nous admire pour ça. Parce que les rythmes, quand tu prends leurs compositions, les valses, tout ça, etc. etc. Bon, ce sont des choses qui sont monotones. On a vite fait le tour, quoi. Mais même ici, si tu descends chez le Gurunsi là-bas, combien de rythmes? J'ai dit le peuple Gurunsi seulement, combien de rythmes? Le peuple se nous oublie ça, tout ça, combien de rythmes? On a des. On peut. Mais donc les gens, les musiciens, disons la vérité, on dit la musique, c'était de l'or. La terre qui abrite cet or-là, c'est l'Afrique. Les gens sont obligés, parce que si vous voyez qu'on s'intéresse à la musique africaine, c'est parce qu'elle est incontournable, sur le plan rythmique surtout. Elle est incomparable, incontournable. Mais est-ce que la nouvelle génération en a conscience? Hein? Est-ce que la nouvelle génération sait ça? Est-ce qu'on en a conscience, nous, jeunes aujourd'hui, qui faisons de la musique? Oh, elles sont. Oui. D'accord. Moi, je disais un jour à mon fils, je le voyais jouer à quoi, tout ça, je l'ai écouté, je dis, mais bon, est-ce que. D'abord, le premier conseil que je lui ai donné, et c'est un des éléments pour lesquels j'admire Bila Kakoura. Vous savez, jouer d'un instrument, c'est une chose. Chanter, une deuxième chose. Troisième chose que la plupart des musiciens n'ont pas, jouer en même temps et chanter en même temps. Je lui ai dit, tu vois, il joue en même temps et chante en même temps, fais comme ça. Puisque il y va même de l'exactitude de ta composition. Parce que pour un instrumentiste, si un instrumentiste, si Bila Kakoura compose par exemple, il tient compte de l'instrument. Le chant tient compte de l'instrument. Ça, donc, le rythme est toujours préservé. Mais les chanteurs, moi j'ai eu affaire à des chanteurs, en studio même. Oui. Ben, je dis, bon, ils ne rentrent pas dans le temps. Parce qu'ils sont pas. Et puis, quand ils rentrent là, quand tu as posé la kora par exemple, quand il va chanter, il rentre faux, tu dis, non, c'est faux. Parce que je dis, non, c'est pas faux. Parce que lui, il a un autre rythme. Oui, bon. Or, ce n'est pas le vrai rythme de l'affaire. Parce qu'il ne joue pas. Vous voyez. Donc, mais un instrumentiste, il compose mieux que celui qui, le chanteur qui n'est pas instrumentiste. Ça, c'est clair. Parce qu'il tient forcément des instruments qui vont l'accompagner. En rythme et en mélodie. Chose. C'est important. J'espère que ça, tous ceux qui veulent faire de la musique vont noter ça. Les jeunes là, non, ils sont dedans. D'accord. Ils apprennent, bon, ils sont dedans. Mais il n'y a pas de rupture, comme il a dit. D'accord. De... Okay. Et puis, enfin, ce que je voulais compléter, c'est peut-être le rôle de nos médias, de nos télés, oui. De montrer. Parce que le Burkina fait partie de pays qui a énormément plus d'instrumentistes, même peut-être plus qu'en Côte d'Ivoire ou dans tous les autres pays. Les batteurs, les guitaristes, les pianistes. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui jouent, mais comme ce n'est pas permis. Moi, j'en vois plein, des groupes qui se forment, mais ce n'est pas. Ces musiciens qu'on montre à la télé. Oui. Voilà. C'est la petite nièce qui regarde chanter à la télé, qui veut devenir une star. Oui. Les parents lui trouvent 400 000 francs, on va au studio, on a juste une chanson, on fait un clip, et puis c'est ça qu'on diffuse.
Donc je crois qu'il y a aussi un rôle des médias et la politique qui accompagne ça. Parce que s'il y avait beaucoup d'endroits de live où les musiciens jouaient, les instrumentistes pouvaient s'exprimer le plus. Exactement. Mais sinon, il y a plein. Et le papa, il est à l'INAFA qui voit. Mm. Mais on fait partie d'un pays qui a les meilleurs instrumentistes au monde, hein, wow, aujourd'hui. Et le batteur cool, tourne, il y a le frère Ouattara qui joue à peu près avec tout le monde. Joue avec Moussa Ngaré, tout le monde, tous les grands musiciens africains aujourd'hui, la plupart, quand on regarde à l'intérieur, il y a des instrumentistes burkinabés. Ah. Oui. C'est dommage. Je pense qu'on va, on va travailler à rattraper ça. En tout cas, à la hauteur de ce qu'on peut faire. Voilà, de ce qu'on peut faire, oui, on va le faire. Alors, rapidement, je regarde ce qu'on nous a envoyé comme message sur Facebook. Il y a pas mal de personnes qui nous disent bonjour. Mmh. Idrissa Zungrana, junior de la BSB, qui dit que son artiste préféré, c'est Bila Kakoura. Roland Ouedraogo qui nous salue. Amos Aro qui nous salue. Wino Boy, la musique africaine est très intéressante sur les instruments traditionnels. Un coucou à mon idole Bill Akakora, je te kiffe. Assimi, Rabot, les vraies inspirations viennent toujours du terroir. Les musiciens qui font de longues carrières sont ceux-là même qui s'inspirent de notre culture. Apollinaire Bado, une émission très intéressante. J'aimerais savoir où l'on peut se procurer le livre de Konamba Traoré. En fait, il aimerait savoir si le livre que vous tenez est en vente et si on peut le trouver. J'ai fait assez d'émissions sur Ouaga FM. Oui. Mais finalement, j'ai réussi. Il reste une vingtaine de pages à saisir et ça va sortir. D'accord. C'est quelque chose qui est très attendu puisque dedans, c'est la culture africaine qui est dedans. Donc, il faut patienter encore le temps que les 20 dernières pages soient saisies. Mais ça va sortir cette année. Cette année. Dans 3 mois comme ça. D'accord. Donc, restez aux aguets, Apollinaire. Le livre sortira bientôt et vous pourrez l'avoir. Anne Caboret, coucou, belle émission. Je voudrais savoir la différence entre artiste-chanteur et artiste-musicien. Voilà. Donc, ça, c'est une question de Anne. Je vais poser la question. Après, je vois les autres commentaires. Wen Panga Balkissa Zango. Bonjour. Pour ma part, je dirais que pour une longue carrière, il faut valoriser la culture. Eugène Congo, j'espère que c'est ça, hein, qui dit bonjour. Rawa Konate nous envoie son bonjour. Lankwande, bonjour le Lof. La musique traditionnelle, très intéressante, mais cette musique est laissée sous l'ombre, moins de valorisation. On devrait rendre hommage à ces grands hommes de la musique traditionnelle. Je fais un coucou aux vieux et à Akakora. Et merci à toi, Stéphanie, pour cette inspiration. Merci beaucoup. Ibrahim, bonjour le plateau. Moi, c'est Nadjinou Tassou. Je vous salue depuis le Bénin. Je suis pour la musique traditionnelle, elle m'intéresse beaucoup, je suis avec vous. Voilà. Donc on a des messages qui nous viennent du Bénin. Enfin, un coucou à tous nos téléspectateurs depuis le Bénin et depuis les autres pays du continent. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, une question, c'est quoi la différence entre artiste musicien et artiste, je relis bien sa question, à Anne, un artiste chanteur et un artiste musicien. Elle aimerait bien savoir c'est quoi la différence. On va laisser. C'est mal formulé. D'accord. Je devrais dire artiste chanteur et artiste instrumentiste. En fait, c'est ça. Puisque le chanteur est un musicien. Bon, donc, artiste chanteur, c'est artiste musicien. Voilà. C'est instrumentiste qui change. Voilà. D'accord. Donc, il y a les chanteurs purs. Qui ne jouent d'aucun instrument. Ils n'assurent que la chanson. Oui. Il y a des instrumentistes purs qui n'assurent que les choses. Mm. Mais il y a des instrumentistes chanteurs, des chanteurs instrumentistes, comme les Bila Kakoura, ils font les deux à la fois, c'est le boulot le plus difficile. Ouais. J'imagine. Et c'est pourquoi en studio, là, ils sont compliqués. Puisque ils ont des exigences. Parce que comme ils sont à la fois instrumentistes, et quand ils composent, c'est en fonction des choses. Bon, donc. C'est sûr que si ça ne va pas direct, il l'entend. Oui, mais celui qui ne connaît pas les instruments, bon, on l'accompagne n'importe comment en instrumental, il est d'accord. Il subit. Parce qu'il ne connaît pas. C'est mais Bili Akakora, tu ne peux pas. S'il chante là, la musique qu'il veut derrière là, si tu n'as pas, tu n'as pas joué ça sur le plan instrumental, il n'est pas d'accord. Bon, donc, je pense que tous les instrumentistes qui jouent avec Bill diront oui à ça directement. Il nous reste 3 minutes d'émission. Donc 3 minutes d'émission, très rapidement. Moi, j'ai envie de savoir aujourd'hui quelle appréciation vous faites de la musique que les jeunes font. Moi, je dirais que et sans choquer les musiciens, je me dis que nous avons du chemin à faire. Quand je regarde les jeunes jouer, on a du chemin à faire.
Si vous allez, par exemple, tu es déjà allé à Sport Bar, là. Oui. Bon, les instrumentistes qu'on voit là-bas, les choses, là, c'est beaucoup plus des vieux, quoi. Ouais. Il n'y a pas des jeunes qui... Bon, moi-même, je suis découragé de voir que les jeunes n'apprennent pas. Je crois que la relève, là, c'est ça qui m'inquiète, la relève. La relève, ça m'inquiète beaucoup plus sur le plan, pas musique moderne, hein, parce qu'il y a des guitaristes, comme il a dit, il y a des batteurs, tout. Mais sur le plan musique traditionnelle, mais moi, les grands, les balafonistes, là, je peux, les bons balafonistes, je peux les compter à Ouara. Sur le doigt des cinq doigts, là. Sur les cinq doigts de la main. Bon, c'est pas normal. Cela veut dire que la relève n'est pas assurée. Donc, comme le fond, là, la source d'inspiration reste le traditionnel, la musique traditionnelle dont on s'inspire dans toute culture d'ailleurs. Bon, s'il y a très peu qui vont là-bas, il va sans dire que notre musique traditionnelle, un jour, ça va se perdre. Il y aura la déperdition. Il faut que les gens s'intéressent à ça. Il y a beaucoup plus de musiciens modernes sur les guitares, les pianos et tout ça que de musiciens purement traditionnels. D'accord. Donc, dire que notre musique progresse, moi, je ne dirais pas le mot, comme je ça. N'emploierais pas le mot progresser. Hein. Moi, ça marche partout quand même. C'est inquiétant. C'est inquiétant, oui. Oui. C'est inquiétant. D'accord. Donc, pour tous ces jeunes-là qui se disent on a envie de faire de la bonne musique, c'est très important de se rendre compte que pour pouvoir s'inspirer de la musique traditionnelle, il faut d'abord connaître la musique traditionnelle. Mais depuis que moi, j'ai joué l'hymne national au balafon, là. Oui. Devant le président Thomas Sankara à Bobo, à la Semaine nationale de la culture Bobo, 1986. Jusqu'à présent, de 86 à maintenant, personne ne peut jouer ça. C'est pas normal. C'est sûr. Mais si moi je meurs, si on dit maintenant, bon, on va jouer l'hymne national au balafon, bon, si j'avais un instrument traditionnel, bon, on ne trouve personne, c'est quand même. Ah, donc il faut quelque pour chose. Pour que toute chose progresse, tout art progresse, toute science progresse. Il faut la relève. Oui. Il faut que les gens s'inspirent, les jeunes s'inspirent auprès de lui. Si on veut. Si la relève n'est pas assurée, même sur le plan sportif, là, une équipe de football, sa relève n'est pas assurée. Les gens vont briller. Après, il y aura l'éclipse pendant 10 ans comme ça. Le club ne s'en sort pas. Ça, c'est bon, sûr. Faut pas que ça soit ça pour l'Afrique. L'Afrique regorge d'instruments traditionnels, de tonnerre, de grands musiciens. Voilà. Mais. Il faut qu'on s'en inspire. Ce qui est le plus difficile, bon, peut-être, c'est comment faire pour exploiter ça. Bon, parce que les gens disent, si tu veux, l'argent. Bon, souvent, la musique traditionnelle, ça, vous voyez, bon, les gens, ils préfèrent tout ça jouer dans un moderne. Bah oui, on veut avoir l'argent immédiatement. Plutôt que de passer 20 minutes à apprendre la cora auprès d'un colomba, bon... Bon, malheureusement, on est à la fin de cette émission. Un dernier message pour tous ceux qui nous ont regardés. Que la musique les accompagne tous les jours, parce que je crois que c'est les mélomanes aussi qui font vivre la musique. Parce que si chaque Burkinabé chez lui se rappelle de ce qui se joue dans son village et qui cherche à écouter, ça va aider. Donc voilà, on a besoin de tout le monde pour que la musique africaine, la musique tout court, puisse continuer à voyager, comme disait le papa. Merci, un mot de et conclusion. Et surtout de l'encouragement de la part de nos autorités. Oui. Moi, j'insiste sur ça, parce que les artistes se cherchent. Ouais. Comme on n'a pas de mécènes dans le pays, là, mécènes, voilà, ce sont des privés, des gens qui ont de gros sous. Chose là qui dit bon Billa Kakore, bon moi je vais tendre. Bon, il n'y a pas des gens qui font qui il n'y a pas de mécènes. Les gens trouvent même que c'est jeter leur argent, hein. Vous savez, la musique dans les pays africains, bon, c'est dur. Bon, c'est pas quelque chose qui nourrit son homme, hein, sauf dans certains pays. Bon, mais le Burkina ne fait pas encore partie de ces pays-là, mais si nous voulons être à l'avant-garde du progrès musical, il vaut mieux que les autorités et toutes les personnes qui sont habilitées et qui ont les moyens d'encourager les artistes et les encouragent. Ce n'est pas de l'argent perdu. Parce que sans la culture, le développement n'est pas possible.
Et c'est sur ces mots que l'on s'arrête. Merci beaucoup. Franchement, on était très honorés. On a beaucoup appris. Et moi, j'ai juste envie de vous lancer une invitation une prochaine fois. Je sais que vous voyagez pour venir nous édifier de votre savoir. Si vous acceptez, on aimerait bien que vous reveniez sur notre plateau. Ok, on pourrait même venir faire des aides de Kora ici. Ah ben, merci. Et Billy Akakora va venir pour improviser quelque chose. Ben voilà, c'est gagné. Merci beaucoup. Merci Alex. Merci beaucoup Bill. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui avez pris de votre temps, vous qui nous avez écrit, vous qui nous avez regardé depuis Ouagadougou, depuis le Burkina, depuis le reste de l'Afrique, depuis le reste du monde. Un grand merci. Passez une bonne suite de journée en compagnie de nos programmes. Et on se retrouve demain avec un autre sujet. D'ici là, faites très attention à vous. Portez-vous bien. Au revoir. We'll be right back.